dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mon book haul du mois de septembre qui est pour le coup pas mal chargé. En vrai ça va, je vous ai déjà montré bien pire, mais pour un mois de no buy de nouveau, bah il y a encore quand même beaucoup de livres qui ont rejoint ma palle. Puisqu'en effet c'est 19 livres qui ont rejoint ma palle, sachant que j'en ai acheté un. Voilà, il y a eu beaucoup de services de presse. Je remercie encore chaleureusement toutes les maisons d'édition qui ont bien voulu me faire parvenir ces différents romans que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et aussi merci beaucoup à principalement ma mère pour les cadeaux. Je crois qu'il y a que ma mère ce mois-ci pour les cadeaux. Donc merci beaucoup maman pour tous les cadeaux. Et sans plus tarder, nous allons attaquer directement avec les services de presse qui ont rejoint la palle au mois de septembre. On va tout d'abord commencer avec les romans en poche. Donc c'est des rééditions en poche de romans déjà sortis en grand format. Donc je ne vais pas m'étaler beaucoup plus dessus puisque j'en ai trois à vous présenter qui sont comme ceci en poche. Et les trois c'était des romans qui avaient plutôt bien tourné en grand format. Donc je ne vais pas m'étaler grandement dessus. Nous avons tout d'abord, et il sera parfait pour la saison, des Cris à glacer le sang écrits par R.L. Stein, je ne sais pas. Et donc publié chez le livre de poche jeunesse. On est ici sur plusieurs en fait petites histoires, je sais pas si vous allez voir, non pas forcément, mais en fait on va avoir plusieurs types d'histoires, enfin voilà, plusieurs histoires par exemple, comme ça au fur et à mesure du roman, qui sont des histoires qui font peur, qui sont dans la même veine que les chairs de poule dont justement R.L. Stein est l'auteur, donc ça sera dans la même veine que ça. Je l'avais pas mal vu passer quand il était sorti en VO il y a de ça quelques années, je crois que c'était chez Bayard à l'époque. Je me l'étais pas procuré pour je sais pas, comme je vous dis souvent c'était pas dans mes priorités d'achat, donc écoutez, je l'avais pas acheté à ce moment là. Là j'ai eu l'occasion de pouvoir le demander à la maison d'édition qui a bien voulu me le faire parvenir, donc merci beaucoup au livre de poche jeunesse. Et du coup je me dis que c'est pas forcément un livre que je vais lire d'une traite comme ça, mais je vais plus le picorer petit à petit, histoire après histoire, comme ça, entre octobre et novembre, ça peut être pas mal. Donc merci beaucoup, sachant que c'est quand même un beau petit bébé, donc ça va être très chouette et j'ai hâte de découvrir tout ça. Le prochain qui a rejoint ma palle, qui vient aussi des éditions du livre de poche jeunesse, il s'agit de La rue qui nous sépare, écrit par Célia Samba, et celui-ci j'ai vraiment très hâte de le découvrir. Je vous l'avais montré, je crois que c'était sur Twitch, et même je vous avais fait une story sur Instagram pour vous dire quand je l'avais reçu, pour vous montrer ma réception, et que ça soit sur Insta ou sur Twitch, partout, vous m'avez dit oh, tu vas voir, c'était génial, perso il m'a chamboulé, et c'est exactement ce que j'attends de ce bouquin, qu'il me chamboule, parce que je sens que oui, je vais être touchée, que je vais être émue par rapport à ce bouquin. Je vous l'ai présenté aussi, il me semble, dans un vlog, dans le dernier vlog qui est sorti, donc je vais pas beaucoup plus tenir dessus, mais en tout cas je suis très contente qu'il ait rejoint ma palle. Et celui-ci, après il est peut-être pas forcément de saison, mais il me fait bien envie, et je pense que je vais devoir préparer les mouchoirs. Le dernier poche qui m'a été toujours envoyé de la part du livre de poche jeunesse, il s'agit de Alunia, le tome 2, écrit par Thieves. Donc comme ça j'ai la duologie au complet, puisque la duologie est sortie au complet au format poche, donc ça c'est très chouette. J'étais passée à côté quand elle était sortie en grand format chez Plume Blanche, et pourtant elle m'intéressait énormément, donc je suis trop contente d'avoir pu l'avoir en poche. En plus je sais pas, j'aime beaucoup leur façon de faire au livre de poche, j'aime beaucoup leur dos, je trouve que dans la bibliothèque ça rend trop bien. Et je sais pas si je vais le lire en octobre, mais je pense qu'au plus tard en novembre, de toute façon, Alunia y passe, parce que ça me fait trop envie, quoi. Ça a l'air vraiment chouette. Par contre, je crois que je vous le disais, c'est écrit tout petit. Donc là, pour le coup, bon courage Marie. Mais ça a l'air trop chouette, j'ai trop hâte de comprendre toute la hype qu'il y a autour de cette duologie. On va maintenant passer aux services de presse qui me proviennent de la part de Hachette Roman, avec qui je suis partenaire et qui m'ont envoyé quand même certains pour le mois de septembre. Franchement je suis très gâtée, merci beaucoup à eux. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, il s'agit bien évidemment du tome 2 de Persona, écrit par Yelena. Déjà, est-ce qu'on peut parler de cette couverture qui est absolument sublimissime? Il est trop beau, il est très beau, vraiment trop beau. Un super travail éditorial. Et du coup je suis contente. Par contre il est très gros aussi. Très beau mais très gros. Mais je suis contente de l'avoir reçu. Du coup j'ai les deux premiers tomes dans ma palle. Je crois que ça sera une trilogie. Donc déjà on est bien avancé. Et j'ai donc les deux premiers dans ma palle. Et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Pareil, ils me font très envie. Je n'en entends que des bons retours. Donc écoutez, je pense que Alunia comme Persona, ça devrait pas faire long feu normalement, parce que j'ai trop envie de les découvrir. Le prochain je l'ai pris parce que j'étais pas mal curieuse quand Hachette nous a fourni son catalogue pour le trimestre. Beaucoup des partenaires avaient l'air intéressés par celui-ci. Je vous avoue que je ne connaissais pas l'autrice et je n'étais pas familière avec ce travail. Donc je me suis un petit peu intéressée, et effectivement il a l'air vraiment chouette. Et en fait beaucoup de gens le connaissaient puisque c'est à l'origine un webtoon. Donc c'est quelque chose qui était disponible en ligne et qui a donc été mis sur papier. Il s'agit donc de
Ether Dreams, je sais pas comment on prononce ça, écrit donc par Aiden Vetera et publié chez Hachette Roman. Donc déjà, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très très belle. C'est donc un roman, sauf qu'on a la particularité d'avoir au milieu quelques pages illustrées, comme ça, en couleur en plus. Donc c'est vraiment très très chouette. Hop, tenez. Voilà, je vous en montre pas beaucoup plus. Et on a eu la chance aussi de recevoir avec des très très beaux marque-pages. Je vous les avais montrés sur TikTok, je vous avais fait une... un petit TikTok comme ça, vous montrant les marque-pages. Vraiment trop, trop beau. Regardez-moi ça. Ah, ça brille, c'est trop beau. Donc vraiment, je suis trop contente. Merci beaucoup aux éditions Hachette Roman aussi, parce que les petits goodies, ça fait la diff. Et celui-ci, je pense qu'il devrait se lire vite. Donc ouais, je pense que une fois que les jours vraiment raccourciront, ça sera vraiment chouette. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le lire de nuit, ce livre. Il me fait trop envie. Et on va avoir une histoire d'amnésie en plus, avec un personnage amnésique. Donc écoutez, j'ai hâte de voir comment ça peut être traité. Le dernier reçu de la part des éditions Hachette Roman est un livre qui est arrivé vraiment avant-hier, je crois, chez moi, ou il y a quelques jours. Vraiment, il est tout frais. Il est arrivé à cheval entre septembre et octobre. Mais je suis trop contente, parce que je crois que c'était la sortie de septembre qui me faisait le plus envie. Et j'ai eu peur de voyant que je le recevais pas, en me disant oh, ça se trouve ils vont pas me l'avoir envoyé, ça se trouve ils avaient pas assez de stock, j'ai pas pu le recevoir, j'aurais été vraiment très triste. Enfin, je l'aurais acheté, mais j'aurais déjà été très triste. Et finalement je l'ai aussi, je suis trop contente. Celui-ci, je pense que je vais le lire rapidement. Il s'agit de Souviens-toi de moi, écrit par Alison Derrick et donc publié chez Hachette Roman. Déjà la couverture est magnifique, et on va parler ici aussi d'amnésie et en plus d'une relation FF. Donc une des deux va perdre totalement mémoire et ne va plus se souvenir de son amour. Ah, j'ai hâte de voir comment va être amenée l'amnésie comme ça dans cette relation amoureuse. Les premiers avis qui sont sortis sont vraiment super élogieux, donc j'ai trop envie de le découvrir. Il est dans la même collection en plus que dans Notre Univers, Nous Sommes Infinis, hop, celui-ci, dont je vous ai parlé, que j'ai lu au mois d'août, que j'avais beaucoup apprécié. Donc j'ai très très hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Il devrait se lire aussi très vite, hein, parce qu'il fait, 250 pages, quelque chose comme ça. Donc je pense... non, il fait 312 pages, pardon, Marie, tu l'as sous-estimé. Mais je pense que je vais pouvoir vous en reparler très très vite. En tout cas, il me fait trop envie. J'ai trop hâte de le lire. De la part des éditions Pocket Jeunesse, j'ai reçu un livre que je leur avais demandé, pour lequel ils proposaient justement d'envoyer des services de presse. Donc je suis trop contente d'avoir pu l'avoir. Il s'agit de La fille renard et la merveilleuse boutique sur pattes, écrit par Andy Sagar. Je vous l'ai présenté aussi dans un vlog, je crois dans le dernier vlog qui est sorti. En fait, j'ai reçu pas mal de livres sur cette semaine visiblement, et dont celui-ci. Il est trop trop beau, la couverture est absolument magnifique, et ici on a une grosse inspiration, et c'est ce que PKG nous disait aussi dans son brief presse. On a une grosse inspiration du château ambulant de, comme on peut le voir dans Ghibli ou dans la trilogie du château de Hurle, que je vous ai présenté d'ailleurs dans mes sagas non commencées. Voilà, en tout cas voilà, donc moi on me cite le château ambulant, bah bien évidemment que je suis intéressée, ça a l'air vraiment tout poupi, la couverture est, enfin vraiment, est-ce que j'ai besoin de le redire, mais la couverture est trop belle. On vous parle de théière volante, mais j'ai trop envie de le lire, de théière volante, un château ambulant, il y a tout qui vole, moi aussi je vais aller m'envoler et le lire. De la part des éditions Gulfstream, dans leur collection Echo, j'ai reçu un livre qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 19 octobre et que je vais essayer, et je vais y arriver, de lire avant justement sa sortie pour pouvoir vous en parler le jour J. Il s'agit des Larmes des Nymphes, écrit par Sandy Bizzozero, et donc je vous disais c'est dans leur collection Les Échos. Pareil, celui-ci je l'ai reçu en même temps que La fille renard, donc je vous l'ai aussi présenté dans le fameux vlog. Vraiment, allez voir ce vlog si ce n'est pas déjà le cas, vous allez voir plein de choses si vous n'allez pas voir le vlog visiblement. Et ici il me fait trop envie, je vous redonne juste la phrase de fin qui est mise en gras au niveau de la quatrième de couverture. On nous dit: un thriller envoûtant qui interroge à travers le prisme d'une divinité antique notre rapport à la nature et ses conséquences. Ça a l'air trop bien, puis on nous met en hashtag fantastique thriller. Moi c'est bon, je suis happée. J'avais lu un livre de la collection des Échos de Gulfstream il y a très longtemps, que j'avais beaucoup apprécié, donc écoutez, bah c'est l'occasion d'en relire un deuxième. Et j'ai déjà vu certaines personnes venir me parler, me dire qu'ils l'avaient déjà lu et qu'ils l'avaient beaucoup apprécié, donc j'ai très très hâte de me faire mon avis dessus. En tout cas, je m'attends à vraiment passer un bon moment de lecture. Enfin, le dernier service de presse que j'ai reçu, je suis trop contente puisque je n'osais même pas imaginer pouvoir le recevoir. En plus, ça s'est un peu fait au dernier moment et la maison d'édition a été très rapide pour me l'envoyer, donc merci beaucoup. C'est un livre qui paraît aussi, alors du coup, qui maintenant, à l'heure à laquelle sort cette vidéo, est déjà paru. Moi, il n'est pas encore sorti au moment où je l'ai reçu, donc je suis trop contente en plus parce que il est trop beau. Donc ouais, ça s'est vraiment fait au dernier moment, je l'ai reçu très rapidement, je suis trop contente. Il s'agit de Psyché et Eros, écrit par Luna McNamara et publié aux éditions Hauteville. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, il est trop beau. Le jaspage est magnifique.
L'arrière aussi est très très beau. Et tout l'intérieur aussi est très beau. Ah, c'est trop chouette. C'est trop trop chouette. Ils ont fait un boulot dingue de ville là-dessus. Il est trop trop beau. Et ici, donc, on est sur une réécriture du mythe de Psyché et Eros. No way! No way, no way! Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure du temps qui passe que j'ai très peu de connaissances mythologiques, que ça soit gréco-romaine, que ça soit égyptienne, même s'il fut un temps, j'en avais un peu plus, mais mes souvenirs, ma mémoire s'étiolent au fur et à mesure. C'est un peu triste, mais c'est la vie. Et du coup, j'aimerais lire de plus en plus de livres justement qui traitent de mythologie. Alors, plus dans cette collection-là, on a eu aussi Pénélope Rendita qui était un petit peu dans la même veine que celui-ci, qui me faisait énormément envie. Là, du coup, j'ai Psyché et Eros, donc je suis très contente parce que je connais pas Psyché et Eros en fait. Hein. Je connais leur nom et ça s'arrête là. Je sais pas du tout quel est leur mythe, quelle est leur histoire à chacun. Donc j'ai très très hâte de pouvoir le découvrir. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé, mais oh, il fait 450 pages. Il fait 450 pages. Je pense que ça peut bien se lire et j'ai très très hâte justement de me plonger. J'allais pas dire de me replonger parce que finalement je me suis vite fait mouiller les pieds, on va dire, de me plonger dans des réécritures comme ça de la mythologie grecque. Ça pourrait être très très chouette. Ça pourrait être très très chouette. C'en est donc tout pour les services de presse et c'est déjà bien assez, j'ai été très très gâtée, merci beaucoup aux différentes maisons d'édition. Et maintenant il est temps de remercier encore quelqu'un d'autre puisque je vais vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour ce mois-ci. Et c'est 100% sponsorisé par ma maman. Donc merci beaucoup à toi maman et on attaque tout de suite. Le premier, ça me fait un petit peu rire puisque c'est un livre en fait que c'est pas que je lui ai offert, en gros c'est mon père qui lui a offert, mais mon père m'a demandé des recommandations lecture pour savoir ce qu'il allait pouvoir lui offrir et je lui dis offre-lui celui-ci entre autres. Et du coup ma mère l'a lu, l'a beaucoup aimé et me le file maintenant, donc c'est un cercle de cadeaux, c'est très très beau. Il s'agit de Canade, alors je sais pas comment Canac pardon, écrit par Momalo et publié chez c'est publié chez les éditions Point. Donc Momalo en fait on l'a découvert au Quai du Polar cette année à Lyon et on l'a découvert pour sa saga de Cozy Mystery, la Braise Brigade. Je vous en parle aussi dans mes sagas, donc comment c'est d'ailleurs. Et du coup, on l'a découvert là et on a beaucoup aimé. Et effectivement, il est surtout connu pour ses thrillers et ses polars nordiques. Donc c'est pour ça que faire une saga de Cozy Mystery en Bretagne, c'est quelque chose qui le sort complètement de sa zone de confort habituelle. Et du coup, ma mère a lu le premier tome de La Braise Brigade, a bien aimé. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion qu'elle découvre ce qu'il fait d'habitude. Et donc, j'avais choisi Canac, je crois, parce que c'était celui qui était le mieux noté sur Internet. Donc vraiment, comme je connais pas forcément beaucoup Momalo, et écoute, elle l'a apprécié, donc c'est nickel. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que adopté à l'âge de 3 ans, Canac Adrinsen n'a jamais remis les pieds sur sa terre natale de Groenland. C'est à contre-cœur que l'inspecteur accepte d'aider la police locale, démunie devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays. 4 ouvriers de plateforme pétrolière retrouvaient le corps déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaire. Mais les ours crochettent-ils les portes? Flanqué de l'inspecteur Aputikou, Canac va mener l'enquête. Et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de ses origines. Ça a l'air vraiment chouette, ça a l'air vraiment chouette. En tout cas, ma mère l'a apprécié, me l'a refilé, donc écoutez, c'est parti, let's go pour le lire. Pour le suivant, c'est un livre qu'elle avait acheté quand on était ensemble, quand on s'était rendu, justement pareil, au moment des Quais du Polar, quand on s'était rendu juste avant dans un Emmaüs qui est pas loin de chez moi. Et elle avait trouvé quelques livres qui lui faisaient envie. Elle en a déjà lu quelques-uns et elle m'en a déjà refilé. Et celui-ci, ça en fait partie. Il s'agit d'une duologie de Agatha Christie. Alors en fait, c'est pas d'une duologie, c'est un livre qui comporte deux ouvrages d'Agatha Christie. Donc ici, nous avons Rendez-vous avec la mort et 5 petits cochons. Et c'est publié chez qui? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout quelle est la maison d'édition. C'est publié chez qui? Chez France Loisirs, c'est des éditions France Loisirs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de logo. Donc voilà, c'est du Agatha Christie. Ai-je besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Je n'ai jamais lu d'Agatha Christie. J'ai commencé quand j'étais plus petite, Meurtre à la bibliothèque, je crois, qui est un Miss Marple, que ma mère m'avait offert, mais je crois qu'en fait, elle me l'avait offert quand j'étais trop jeune et pas assez... J'avais pas assez de connaissances littéraires et pas assez âgée pour pouvoir profiter et apprécier à sa juste valeur ce livre. Du coup, je l'ai commencé plein de fois et je l'ai commencé trop de fois, je pense. Maintenant, j'en suis un peu dégoûtée, donc c'est compliqué. Mais donc voilà, en tout cas, elle avait acheté aussi à Emmaüs un deuxième tome double comme ça, qu'elle n'a pas encore lu. Donc préparez-vous à ce qu'un de ces mois prochains, je vous présente un autre livre comme ça de la même collection d'Agatha Christie.
Ensuite, ça c'est ma mère. Par contre, c'est pas un livre qu'elle a lu, mais je pense qu'une fois que je l'aurai lu, je lui refilerai par contre pour qu'elle puisse le découvrir aussi. C'est un livre qu'elle a pris sur ma wishlist et merci beaucoup à toi maman. Il s'agit de La librairie Morisaki, écrit par Satoshi Yagisawa et c'est donc publié chez Hauteville. C'est un tout petit livre, mais qui est un tout petit livre japonais, donc vous savez ô combien j'aime la littérature japonaise. Et donc ici, nous allons suivre Takako qui, après avoir eu le cœur brisé, a un petit peu du mal à remonter la pente et du coup, elle va se rendre chez son oncle Satoru, qu'elle n'a pas vu depuis longtemps et va le rejoindre pour gérer une librairie d'occasion. Voilà, donc on va avoir une rencontre entre cette Takako qui a le cœur brisé et des livres, et apparemment c'est une petite ode à la littérature, et avec une plume japonaise, en tout cas j'en attends beaucoup. Non, je suis pas non plus en train de me dire il faut que ça soit la meilleure lecture de ma vie, mais je m'attends en tout cas à passer un bon moment de lecture. Il fait moins de 200 pages, donc ça devrait se lire très très vite, et encore merci beaucoup maman. Dans la même commande que La librairie Morisaki, ma mère m'avait offert un autre livre et je suis trop contente aussi. Là, on est sur un livre que j'avais beaucoup vu tourner quand il était sorti, que j'avais beaucoup vu tourner en VO et qui est sorti très récemment aussi en VF. Hein, je crois que c'était au mois d'août, si ce n'est au mois de septembre. Et je suis trop contente et j'ai très très hâte de le découvrir. Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers, écrit par Zulfa Katou et publié chez Nathan. Ici, on est en Syrie durant la Révolution et on va suivre Salama qui est étudiante en pharmacie et qui se retrouve un petit peu à tout perdre et qui va essayer de survivre à travers cette révolution qui touche le peuple syrien. Et de ce que j'ai compris, c'est un livre où on va beaucoup pleurer. Je crois qu'il y a une traîne sur TikTok qui tourne autour d'un fameux chapitre apparemment où c'est impossible de ne pas pleurer. Bah écoutez, moi je pleure juste déjà quand on me dit que quelqu'un est triste, donc je m'attends à verser des torrents de larmes. Vraiment, je pense qu'il va falloir que je me rachète des mouchoirs. Il y a moyen que j'en manque ce mois-ci, il y a moyen que j'en manque. Hein. Il me fait très très envie et les retours sont tous extrêmement élogieux, donc je ne m'en fais pas pour apprécier aussi cette lecture. Ma mère m'a aussi offert, et je suis trop contente puisque je vais pouvoir continuer cette saga, le tome 4 de Truc Truc Games, donc Inheritance Games, publié chez PKJ et écrit par Jennifer Lynn Barnes, oui c'est bien ça, dont j'avais lu les 3 premiers tomes en lecture commune avec les copines, donc Manon de Vibration Littéraire, Audrey de Little Purple Books et Anaïs de Siana Book. Donc je suis trop contente de pouvoir continuer. Bah, j'espère cette lecture commune avec les copines. J'avais bien aimé la trilogie qui était sympa. Il y avait tout ce côté romance, triangle amoureux qui était très très relou pour moi, je vais pas vous mentir. Anaïs, elle pour le coup a beaucoup apprécié, donc écoutez, comme quoi il en faut pour tous les goûts. Et du coup j'ai très hâte de voir le tome 4 puisque à la base je crois que c'était une trilogie et là, est-ce que c'est écrit? Oui. En fait on comprend qu'on est très centré sur les frères Hawthorne et non plus sur notre héroïne qui s'appelait... Comment qu'elle s'appelait? Je sais plus du tout comment qu'elle s'appelait. Bon, elle s'appelait. Je trouve que c'est déjà pas mal. Mais donc, on est plus centré sur les frères Hawthorne et non plus sur notre héroïne qui a hérité de toute cette fortune. Puisque finalement, la première trilogie, ça termine l'histoire. Donc là, c'est un tome 4 sans vraiment être un tome 4. Très, très hâte de voir ça. Et en tout cas, bah, les avis lecture sont plutôt sympas aussi dessus. Donc, c'est un beau bébé. J'espère que je vais apprécier. Mais je m'en fais pas, puis ça se lit très très vite en plus, hein. Les trucs trucs games, c'est des tout petits chapitres, c'est du PKJ, c'est écrit gros, donc normalement ça va se dévorer aussi ça. Un autre livre que ma mère m'a offert, qu'elle avait acheté quand on était ensemble, quand elle était venue sur Lyon, c'est un livre cette fois-ci qu'elle avait acheté d'occasion dans un Gilbert Joseph. Vous connaissez mon amour pour Gilbert Joseph et les achats d'occasion, ma mère n'a pas su résister, et en plus c'est trop cool parce que c'est une suite d'un tome 1, ça se suit, hein, c'est logique, c'est la suite d'un tome 1 d'une saga policière dont on avait beaucoup aimé le tome 1, puisqu'il s'agit ici de Brouillard, écrit par Victor Gilbert et publié chez Hugo Thriller. Je vous avais parlé du premier tome que j'avais beaucoup apprécié, qui était Douve, du coup, de Victor Gilbert, où on suivait l'inspecteur Bolloren dans cette petite ville de Douve qui cachait beaucoup de secrets. Et donc bah ici Brouillard, c'est le tome 2, c'est une suite. Alors c'est une saga de thriller, donc vous comprenez que c'est pas la suite de la même affaire policière, c'est juste que nous allons continuer de suivre l'inspecteur Bolloren dans sa vie, dans ses enquêtes. Donc écoutez, j'attends de lire ça. Ma mère avait bien aimé. Elle avait peut-être été un peu moins convaincue par la suite que par Douve. Mais écoutez, moi je m'attends à passer un bon moment. Douve, vraiment, ça avait été une bonne surprise. Je m'attendais pas autant à apprécier. On n'est pas sur un gros bouquin. Il fait même pas 250 pages. Donc ça devrait se lire vite. Et du coup, bah, je suis trop contente. J'ai les 3 tomes. J'ai les 3 premiers tomes. Je ne sais pas si le 4, si c'est fini en 3 tomes pour la saga Hugo Bolloren. Ou si pour l'instant, il n'y a que 3 tomes de sortie. Ou si je suis complètement à la ramasse. Et en fait, il y en a déjà beaucoup plus de sorties. Faudrait que j'aille regarder ça, ça peut être pas mal. En tout cas, pour les fans de thriller, ouais, je vous le conseille, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. En tout cas, Douve avait été vraiment chouette pour moi. Enfin, le dernier cadeau fait par ma mère, et pas des moindres, puisque c'est une belle bête. Mais je savais que ma mère allait me le filer une fois qu'elle l'aurait lu, donc...
quand je vous l'avais présenté, je vous avais dit oui, je pense que ma mère va l'acheter, donc ça sert à rien que je me jette dessus, ça viendra quand ça viendra. Et bien écoutez, il est venu le temps, pas des cathédrales, mais des contes de fées, écrits par Stephen King et donc publié chez Albin Michel. Tralala, talala, une belle bricasse. Ma mère a adoré ce tome-là. Je me souviens quand elle était en train de le lire et qu'elle passait sur les live Twitch et qu'elle nous en parlait au fur et à mesure de sa lecture, elle disait qu'elle adorait sa lecture. Donc écoutez, j'ai très très hâte. Après, ma palle de King commence à être pas mal conséquente et je ne l'avance pas beaucoup. Donc va falloir que je me bouge le popotin, ça pourrait être pas mal. Mais ouais, il me fait trop envie. On est sur du coup de la fantasy chez King. C'est pas quelque chose qu'on lit beaucoup. C'est pas ceux qui l'écrivent le plus en fait surtout. Et je n'avais pas vu, mais il y a des illustrations dedans. C'est très très chouette. Et on est quand même sur un bouquin de plus de 700 pages. Donc c'est quand même une belle bête. Mais c'est du King, c'est toujours quand même relativement long. Mais ça se lit toujours très très bien. Et c'est toujours un vrai plaisir. Donc j'ai très très hâte de le découvrir aussi celui-ci. Il est temps maintenant de passer à mes achats. Je vous ai déjà montré pas mal de livres quand même. Et j'en ai quand même acheté quelques-uns. Alors il y en a deux sur les trois que je vais vous présenter. En fait non, techniquement, je vous les ai tous montrés. Je vous ai montré les trois livres, mais dans trois vidéos différentes. Donc si vous me suivez un petit peu et que vous arrivez à rallier un peu les wagons, vous savez lesquels je vais vous présenter. Mais écoutez, quand même, pour ceux qui ne regardent pas assidûment mes vidéos, déjà je suis très triste et un petit peu choquée que vous ne regardiez pas ça. Enfin, au secours quoi. Non, et surtout c'est plus simple pour vous d'avoir le condensé ici. Donc je vais vous montrer... En fait, il y a deux livres qui proviennent de la Fairy Loot, de la box Fairy Loot. Donc je vous les ai montrés chacun. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer l'unboxing de la Fairy Loot. Donc vous les avez vus tous les deux, puisque deux vidéos sont sorties. Et il y en a un, c'est un cadeau de moi à moi pour... pourquoi pas. Voilà, argument, pourquoi pas. Et en fait, j'avais utilisé la cagnotte Amazon que j'avais pu cumuler grâce au fait que vous utilisiez mes liens affiliés Amazon pour faire des commandes sur le site ou bien que vous tentiez l'expérience Audible en passant par mon lien affilié. Merci beaucoup et grâce à vous, bah du coup, effectivement, je cumule une petite cagnotte qui me permet d'acheter des livres. Et en ce moment, je me dis que la cagnotte pourrait me permettre d'acheter un bel arbre à chat à Outa puisque Outa a un arbre à chat beaucoup trop petit pour lui puisque c'est un Maine Coon, donc c'est un gros chat, même si pour l'instant, il n'a pas encore sa taille adulte, mais plus tard, il sera très gros normalement. Et son arbre à chat est vraiment ridiculement petit et un bon arbre à chat, ça coûte cher. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés Amazon qui sont dans la barre d'infos. Vous financez l'arbre à chat de Outa. Merci. Mais en tout cas, on va commencer avec les deux livres Fairy Loot que j'ai reçus ce mois-ci. Je vais vous montrer ça. Le premier, donc je l'ai reçu, je crois, en tout début septembre. C'est pour ça qu'en fait, j'en ai deux à vous présenter. Je crois que celui du mois d'août, en fait, est arrivé début septembre pour moi. Et au contraire, celui de la box de septembre est arrivé fin septembre. Donc en fait, j'en ai reçu deux ce mois-ci. Alors que normalement, c'est mensuel. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Moi, ça me va très bien. Donc le premier, c'est Bonne Smith, écrit par Nicky Popretto. Donc là, c'est chez Fairy Loot. Mais il est sorti en français chez Lumen sous le nom de La Forgeuse d'Os. Celui-ci, vous voyez, hop, j'ai mis déjà les post-it puisque je vais commencer la lecture commune autour de celui-ci le lundi 9, je crois qu'elle commence. La lecture commune, donc à l'heure où sort cette vidéo, normalement, elle sera déjà commencée, si ce n'est qu'elle sera finie. Ouais, normalement, je l'aurais même fini, normalement. En tout cas, il me fait très très envie, j'ai très très hâte de le découvrir. Les avis sur la lecture française sont super élogieux, donc j'en attends énormément de cette lecture et je m'attends à me dire qu'elle est trop badass, parce qu'elle a l'air trop badass. Donc bref, j'ai très très hâte de le découvrir et vivement vivement. Le deuxième du coup qui provient aussi des éditions Fairy Loot, il s'agit de If I Have To Be Haunted, écrit par Miranda Sun. Et donc là vous voyez cette jaquette, c'est pas la jaquette avec laquelle je vous l'avais présentée initialement. J'ai retourné la jaquette en fait puisque bah, y a des papillons sur l'édition, enfin sur l'autre côté, le côté principal. Et je suis phobique des papillons, donc écoutez, je l'ai retournée et je la trouve très jolie, donc ça me va totalement. On a quand même le jaspage, en fait la couverture principale est dans cette même veine là et vous voyez... Il est pas mignon, j'aime pas ça. Et là, de ce que j'ai compris, on est sur une romance fantastique en fait avec l'un des deux protagonistes. J'aurais envie de parier sur lui, qui serait visiblement plus très très vivant. Voilà, alors c'est un peu fâcheux, parce que c'est quand même sympa d'être vivant. En tout cas, je crois que quand on nous présentait le livre, on nous faisait comprendre qu'il y avait quand même... beaucoup de ressemblances, enfin pas de façon péjorative, mais qu'il y avait des ressemblances avec Cemetery Boys, justement, une romance fantastique comme ça avec un des protagonistes morts. Donc écoutez, dans Cemetery Boys, moi ce que j'avais un petit peu reproché, c'est que c'était peut-être un peu trop jeunesse et parfois très peu subtil et très expéditif sur certaines choses. Donc là j'attends de voir comment ça peut être mené sur un livre qui est plus young adulte et moins jeunesse que Cemetery Boys. Donc en tout cas, celui-ci, bah, je le ferai en lecture commune au mois de novembre. Donc j'ai un petit peu le temps avant de le découvrir, je pense, mais il me fait bien envie quand même, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et enfin, le dernier livre à avoir rejoint ma pile à lire ce mois-ci,
Je pense que vous vous en doutez pour certains, puisque j'ai tout livre de cette collection et je n'ai pas pu passer à côté. Et grâce, comme je vous disais, à la cagnotte Amazon, bah, j'ai pu me le prendre sans toucher à mon porte-monnaie, ce qui était pas mal en ces temps de nos bails. Il s'agit de Quand on prit la bonne étoile, écrit donc par Elisabeth Lim et publié chez Hachette Heroes dans leur collection Twisted Tale. C'est le Twisted Tale sur Pinocchio avec pour phrase « Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio ?» Tintin. Je vous l'avais montré dans un vlog, il est très gros, mais en même temps très très beau. Hop là, regardez-moi ce jaspage de qualité. Il est très beau, il est vraiment super chouette. Hachette fait un super job sur leur version reliée pour les Twisted Tales. Je suis vraiment trop contente parce que c'est une collection que j'ai au complet, mais dont les premiers, bah, je les ai en broché. Je sais qu'ils les rééditent en relié, alors là pour le coup, je suis pas forcément intéressée de les prendre, mais bah, avec les nouveaux qui sortent, je prends les nouveaux en relié maintenant parce que bah, c'est quand même très très beau. C'est un coup, hein, on est sur du presque 30 euros. C'est un coup, mais écoutez, il faut se faire plaisir aussi. Et Disney, la littérature mêlée, moi je ne réponds plus de rien. Je ne réponds plus de rien, que voulez-vous? En tout cas voilà, j'ai très très hâte de le découvrir. Donc c'est pas le prochain que je vais lire, hein, puisque je les lis pas forcément dans l'ordre de parution, puisqu'on s'en fiche finalement, ils sont pas reliés les uns avec les autres. Mais je vais quand même essayer de lire déjà en priorité ceux qui sont dans ma palle depuis un petit bout de temps. Et sans forcément respecter, mais faire aussi suivant mes envies. Et puis voilà, en tout cas merci Marie, tu t'es bien gâtée, ça fait plaisir, bah de rien, avec plaisir. Un beau bilan que je ne peux pas vous montrer encore une fois, puisque certes, si ce n'est pas le plus gros bilan en termes de chiffres, de nombre de livres que je vous ai présentés, c'est un bilan très lourd. J'en ai déjà pris certains pour vous faire la miniature, et écoutez, c'est déjà beaucoup trop lourd et j'en ai que la moitié dans les mains. Donc non, je ne vais pas vous faire l'affront de montrer ça et de encore tout faire valdinguer. Pas à chaque fois, c'est drôle une fois mais pas deux. En tout cas, je suis encore trop trop contente de tout ce qui a rejoint ma palle. Merci beaucoup aux maisons d'édition et à ma mère pour les cadeaux et les services de presse. Ça fait vraiment très très plaisir. Merci beaucoup. Merci à moi aussi pour mes achats, Fairy Loot et puis Twisted Tale. Ça fait très plaisir aussi, on va pas se mentir. Dites-moi vous en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus, ils sont dans votre palle, dans votre wishlist, ou au contraire, s'il y en a certains que vous avez lus, vous n'avez pas aimé. Dites-moi tout ça, je suis très très curieuse de savoir. Et vous, sinon, qu'est-ce qui a rejoint votre palle au mois de septembre? Je sais que certains d'entre vous ont bien craqué leur slip au mois de septembre, dites-moi tout ça en commentaire, je suis trop curieuse. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre et que vous avez quand même envie de soutenir, mettez la pile de livres, on va revenir au basique, mais ça fait toujours plaisir. La pile de livres pour la vidéo book haul, ça fait bien le taf, je trouve que c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous pour tout le soutien au quotidien, ça fait vraiment très très chaud au cœur. On est déjà plus de 1100 par ici. Merci beaucoup à tous, c'est énorme énorme. Et bien écoutez, j'espère qu'on continuera encore à agrandir la famille tous ensemble, à tous papoter. Et puis ouais, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à vous. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas, les liens sont dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!